Comment puis-je faire la promotion de mon commerce ou de ma nouvelle collection avec Facebook Pixel ? Alors, avec Facebook, il y a quelque chose de super intéressant qui est connu des techniciens, mais qui peut être très très utile pour un commerçant s'il en comprend la puissance. Facebook, ils ont ce qu'on appelle un petit mouchard, ça s'appelle Pixel. C'est un mouchard que vous allez en fait coller, un petit programme informatique que vous allez coller sur votre site e-commerce. Et qui va du coup permettre de savoir qui vient sur votre site, mais de pouvoir les rattacher à leur profil Facebook et donc du coup de savoir qu'est-ce qu'ils aiment, combien ils ont d'enfants, enfin toutes les données de vie personnelle qui sont rattachées au profil Facebook. Alors ce pixel, il va pouvoir permettre de faire deux choses particulières en dehors de savoir qui vient sur votre site, quels sont vos clients qui sont déjà venus, qu'est-ce qu'ils ont commandé, quels pages ils ont vu sur votre site, ça c'est une première chose. Autre chose, Pixel va vous permettre d'être proactif et de toucher de façon intelligente vos clients. Alors première chose, imaginons que vous avez un fichier client, vous n'avez pas de site e-commerce, vous pouvez en fait donner votre fichier client via Pixel et Pixel va du coup à partir de ce fichier client-là le comparer avec les profils sur Facebook et rattacher les personnes leur profil Facebook à votre fichier client. Et vous allez pouvoir décider de faire de la publicité ciblée sur vos clients, en fait. Et donc, du coup, ce qui est intéressant, c'est que ça sera non intrusif. C'est-à-dire que votre cliente, par exemple, qui va se connecter sur Facebook, va aller parcourir son mur, va voir des informations. Et comme par hasard, en fait, votre publicité va arriver parce que vous avez dit à Facebook que vous vouliez faire une campagne sur cette audience ciblée qui sont vos clients. Et là, vous allez avoir une information qui va être peut-être une publicité sur « Tiens, nous avons reçu la nouvelle collection été, venez en magasin, nous faisons des nocturnes, je sais pas, tous les jeudis soirs. » Bon, voilà. Autre chose, c'est les visiteurs donc, de votre site. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez créer des audiences ciblées et dire ben « Voilà, moi, je suis un magasin de vente d'articles pour bébés. Alors, moi, je veux toucher n'importe quoi, hein, les femmes entre 28 et 40 ans. » plutôt CSP+, dans un rayon de 30 km autour de Saint-Étienne. Bon, je prends ces exemples-là. Et ben donc, du coup, Facebook va vous permettre en fait, de cibler en fait, les gens qui répondent à ce profil-là et de ne faire la publicité qu'auprès de ces personnes-là. Même chose, Facebook Pixel vous permet en fait, d'étendre en fait, des profils, c'est-à-dire que vous avez des profils de personnes qui sont vos clients, Facebook Pixel va vous dire, tiens, il y a des personnes qui ressemblent à ces gens-là, qui ont les mêmes centres d'intérêt ou le même tranche d'âge ou le même profession, etc. Et donc, du coup, vous déterminez des profils et Facebook va vous permettre en fait, de faire de la publicité ciblée sur des gens qui sont des profils qui vous intéressent parce que vous savez que ce sont vos clients à vous et voir vos meilleurs clients. Et donc, du coup, vous pouvez déterminer des campagnes publicitaires ciblées par rapport soit à vos clients, soit à des clients qui ressemblent à vos meilleurs clients.